Ta-dum-tum-tum-tum-tum. Bonsoir les gens, comment ça va bien? What? C'est où ça? Quoi? Nos ennemis contrôlent le secteur Bravo. Ok, bon, on va aller chercher Bravo. Pam 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 pam. Comment ça les gens? Est-ce que le son est bon? Parce qu'encore une fois j'ai l'impression que ça module bizarrement. Vous me dites, ça a l'air bon. Un de nos objectifs est attaqué. Je ne plains pas, les affaires marchent en ce moment. Non, je l'ai pas. Salut toi! Pas l'impression de camper? Ah! C'est de la merde! C'est de la merde! Attends, je peux l'avoir! Pas trop loin! Et il y a des contre-mesures. Hop. Merci pour les subs. Merci. Attends, j'en ai vu un rentrer là-dedans, on est d'accord. Nous avons perdu le contrôle d'un objectif. Je dois recharger mon arme. Oh, putain. Attaque de Delta 1 en cours. Si ça continue, les Américains vont prendre tous les secteurs. Le secteur Delta est complètement sécurisé. Pouette. Quoi, il est où? Ah non, c'est Lexi. Ah, mais attends, je comprends rien. Stream inattendu. Oui, tout à fait. Petite live inopinée de sortie de bar. Ah non, je suis pas bourré, hein. Non. Point du tout. Sale tétrique. Non, qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est vrai. Non, mais parce que comme on en a parlé l'autre jour de Battlefield 2042, de Battlefield tout ça, je me suis dit, tiens, j'arrive pas à dormir, et si je le réinstallais? Du coup, voilà, réinstallation. Viens là. Ah. Et en fait ça fait longtemps. Et du coup voilà, je suis à bas niveau. Mais c'est rigolo. Pourquoi ils meurent pas? Pourquoi ils meurent pas les ennemis quand je les tue? Par contre je suis au bout de fil, donc je vais crever. Soon. Oh, je t'ai pas vu. Sécurisation d'objectif. Ah, c'est bon. J'ai marqué les points. Du coup, je réapprends un peu quoi. Je réapprends. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je suis un peu perdu. Il y a des gens partout. Donc, il y a des ennemis de type hostile. Ah, j'ai cru. Il est là-haut, je t'ai vu, connard. Je t'ai vu. Il est où? Mais pourquoi? On est dans le métavers? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce rafu à 2h du mat? Oh.
Désolé pour ceux qui voulaient dormir. Ce stream est déconseillé aux gens qui ont des problèmes de... Comment on dit déjà ? T'as les yeux qui... Poète. Et alors du coup, attends, je peux pas acquérir la cible moi-même, c'est ça, il faut que quelqu'un la marque. Tout le secteur Delta est sous notre contrôle. Moi, je l'ai pas. Si on d'accord, j'ai compris. Les forces américaines vont prendre tous les secteurs. J'ai du mal à gérer le recul de l'arme. Début d'attaque sur le camp 1. Avec les notifs Twitch, mais attends, mais d'où t'as des notifs Twitch qui se réveillent, toi? Attention, on te laisse pas faire. Ça m'a fait mal, l'autre, là. Le bitrate est horrible. Ah bon, vous voyez mal? C'est-à-dire? Genre, vous arrivez à voir, quand même, c'est fluide, non? Ah non, faut que vous me disiez, hein. Objectif sécurisé. Merde. Le secteur Alpha est sous contrôle. Fluide, mais très compressé. Les forces américaines sont affaiblies. Elles sont à bout. Est-ce qu'il faut que je change? On dirait une 360p, mais comment ça? Comment ça? Attends, j'ouvre les paramètres. Comment ça? Sortie. Pas assez de débit. Sérieux? Eh, mais pourquoi je suis à 2500 kbps? Non, mais attends. Non, mais attends. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi je suis à 2500? C'est hors de question. On va se remettre à 6000 comme tout le monde. Excusez-moi, pardon. Putain, heureusement que vous me l'avez dit. Hein. Tolérable. Voilà. Voilà. Je suis à 6000 kbps maintenant. Vous me dites si c'est mieux. Hein. Non, c'est mieux. J'ai abattu l'ennemi. Mort. Les forces américaines se retirent. C'est une victoire. La victoire est à nous. C'est une victoire finalement. Au niveau de tout ce qui est jeu vidéo. Certains ont des insomnies, d'autres rechargent leur voiture la nuit pour éviter des surcoûts de la journée. C'est bien ça. C'est bien. Et puis pour sauver la planète aussi. Demeurant. Plus grand nombre d'éliminations, 35, d'accord, félicitations, GG, les plus purs d'objectifs, d'accord. Ah mais attends, pourquoi tout le monde m'entend là? Mon micro il est allumé là dans le jeu, on est d'accord? C'est pas normal ça. On entend plus le jeu que toi, mais non. Juste ton escouade. D'accord, mais ça je m'en fous. Ça j'en ai rien à foutre. Ça, allez au salon. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ouais, ta gueule. Quand je vous dis que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Son. Volume général, configuration sonore, mixage audio. Audio en arrière-plan, indicateur de tir réussi. Quand même. Musique en jeu, oui. Chat vocal. Voilà, désactivé. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'on changerait pas... Alors, le skin, je m'en fous un peu, j'avoue. Ce qui m'intéresse, c'est Boris. Non, mais d'accord, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arme, l'équipement. Tu vois, c'est-à-dire que cette arme-là, si on pouvait... donc, c'est celle-là que j'ai pour l'instant avec le lance-grenade en dessous. Puissance. Elle est quand même assez puissante. Elle est peu maniable. Je pense qu'on va la garder. Non, ce qui m'intéresse, c'est... Comment je fais pour ajouter des trucs dessus? Comment je fais pour ajouter des...
peux pas rajouter des... un viseur, un truc comme ça? Clic droit. Bah ouais, c'est ce que je fais, mais... Non, j'ai clic droit, ça marche pas. Ça marche pas. Moi, je veux un viseur. C'est dans un autre onglet. Ah, c'est pas dans équipement. C'est dans armes, c'est dans matériel, armes. Ah, tu veux dire que c'est là-dedans? Ah, non, attends. Voilà, c'est là. Putain, mais c'est galère quand même votre truc. Et là, je peux décider de lui rajouter un viseur. Ça, c'est mieux. Je peux décider de lui rajouter un canon long. Je peux lui rajouter un chargeur munition perforante. Plus lent à recharger. Non, mais de toute façon, je l'ai pas encore, je l'ai pas débloqué. Et ça, c'est quoi? Standard ou haute vélocité? Ouais, on va rester sur du standard si vous le voulez bien. Et ça, c'est le truc en dessous. Ok, d'accord. Je préfère. Excusez-moi, pardon. C'est pas pour le plaisir. Du coup, on joue en conquête, en percée, en ruée, en portail. Je sais jamais c'est quoi le plus mieux. Conquête, c'est ce que je viens de faire. C'est assez classique, finalement. On conquiert des points. La percée, c'est la bonne vieille. Mais c'est quoi la différence entre percée et ruée? Parce que pour moi, c'est globalement la même chose. Je sais pas. Ruée. Le monde emblématique. La défense protège le relais de communication et repousse l'ennemi. L'attaque, elle doit détruire tous les relais d'un secteur pour progresser sur le champ de bataille. Percé, tu perces. Ruée, tu rues. Merci, Aymeric. Putain, heureusement que t'es là. C'est quoi la différence entre maître d'armes et percé? Vas-y, percé. Ruée, c'est des objectifs à faire exploser. C'est un classique des Battlefield. Oui, c'est ça, c'est le bon vieux truc où tu poses des bombes là. Et t'avances au fur et à mesure. Enfin, ça, la ruée, je suis pas fou. Et la percée, c'est pareil, mais faut juste contrôler les objectifs. Juste, tu fais pas péter des trucs. C'est ça? Ok, ok. Bon. Bonjour tout le monde. Hein. Je suis là pour vous accompagner dans votre incendie. Si vous acceptez de m'accompagner dans la mienne. J'ai joué à squad. Nouveaux objectifs marqués. Pourquoi squad? On doit capturer ce secteur. On joue en squad, il y a des squads dans le jeu. Le maître d'armes, il mange des graines. Putain, commence pas. Voilà, là, faut faire péter B1 et B2. Ou contrôler. Je sais pas. Waouh! Je suis dans un véhicule. Capturez le site secteur par secteur. Emparez-vous des objectifs et repoussez des forces américaines. Waouh! Allié! C'est pour ça qu'on aime bien les véhicules dans Battlefield. Essaye le jeu Squad. C'est quoi Squad? On est en train de sécuriser l'objectif Bravo 2. C'est un jeu ou c'est un mode de jeu de Battlefield? Salut toi. On a toujours des parachutes dans Battlefield. C'est un jeu. Squad, c'est de la simulation, d'accord. Ah oui, on a toujours un parachute dans Battlefield, ça change pas. Non, je demande hein. On a sécurisé un objectif. Eh mais je la connais pas cette map. J'ai jamais joué dessus. Sympa. Par contre, on voit rien. Objectif
couvrez-moi. Bravo 1 est attaqué. Est-ce que le jeu s'est amélioré depuis sa sortie? Écoute-moi, le jeu que je, le mauvais souvenir que j'en ai de Battlefield 2042, c'est le truc méga relou des gens qui se mettent en haut des tours et qui font que la partie n'est pas finissable. Nos troupes se déplacent sur Bravo 2. C'est extrêmement chiant. Putain, mais je vois rien. T'as pas un point rouge d'équiper? Ah si, t'as peut-être raison. Il y en a un qui m'a revive ou pas? Non, on est mort tous les deux. Ok, il se planque là, d'accord, j'ai compris. J'avoue, t'as pas le viseur. Ah merde. Comment se fesse, poil aux fesses? Heureux, on voit où ça passe. On peut pas monter là. Bravo 2. Je t'ai vu toi. On est bien ici. Oh, on va pas bouger. Les ennemis. C'est quoi, on va tuer les autres? Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Ennemi attaque Bravo 1. Fais gaffe Billy par contre la prochaine fois. Objectif Bravo 2 sécurisé. Allez, on va suivre les autres. Merci pour le resub, merci. Merci les copains, merci Alexandre. Nous avons perdu le contrôle d'un objectif. Ah putain. Quelle cacophonie, ouais c'est le bordel, c'est très mal organisé. Hein. Ça c'est pour se soigner, c'est cool. Ah, mais si je peux lancer des grenades. Si je peux faire des kills à l'aveugle. Je me déteste. C'est assez affreux à voir et à entendre comme jeu. Mais dis pas ça. C'est que du bonheur. C'est comme Mario. C'est comme Mario qui est comme Zelda. Ah ouais, là, on est d'accord, oui. Est-ce que j'ai le temps de lancer ma grenade avant? Je suis pas sûr. Il a réussi à passer derrière. Au tour de soirée, avoir la notif. Je te conseille de changer un peu ton champ de vision. Le PO, le Field of View là, le FOV. Champ de vision. Ah, j'avoue. Pauvre 90 comme tout le monde. D'accord. Ça a jamais changé en 10 ans. Toujours le bordel. Faut toujours enlever la vie à tout le monde. Tu meurs toujours sans trop savoir pourquoi. Alors attends, essaie de traverser. Bonsoir, excusez-moi, pardon. Ah, oui, ça a traversé.
Personne pour m'insusciter. Balancez une grenade! Attention! Je vois rien, je comprends rien, je suis sensibilisé. On se concentre. Je vois rien, je sais. Je préfère regarder discrètement. Si, voilà, c'est là. Non, c'était là. C'était là, à gauche. Ah putain. Je prends un ticket à chaque fois que je ressuscite, ouais, d'accord. Posez mes missions, servez-vous. On a ta compagnie. Damien. Bon, on n'arrive pas à progresser là. Dans les jeux vidéo. J'étais exploré un peu, mais bien sûr. La course en entier. Peut-être pas toutes les qualifs, mais la course. C'était trop bien. C'était insane. GG les bros. C'est les mecs qui campent et qui nous butent du début. Je vais devoir charger. Oh. Trop vieux pour ces conneries. Mais non. Ah merde, j'ai été ranimé. Merci. Merci frérot. Présence ennemie à Bravo 2. Je recharge, couvrez-moi. Attention. Je peux pas dire à tête. Est-ce que je fais une grenade là comme ça? Je leur balance une grenade. Ouais non. Les ennemis ont sécurisé un objectif.
ça va. J'étais bien. On aura bientôt plus de renfort. On sera obligé de. J'étais bien là. T'as gardé la pépé de Chad. Je sais pas, c'est vous qui m'avez fait mettre la pépé de Chad. Qu'est-ce que je vous dise. Voilà. La piste micro est un peu basse par rapport au jeu. Ah. Ne quittez pas. Nous allons prendre votre appel. Hop. Le gain, il est où? Boum, boum, boum. Boum. On va rajouter un peu de la gainitude. On va se mettre à 57. Voilà. Voilà. Hop. Ok. Boum. 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 Voilà. Tu me diras si c'est plus mieux. Je vais baisser un peu le jeu aussi. Tu me diras si c'est plus mieux. Avec mes remerciements. Attends, mais j'atterris pas du tout au bon endroit. Nous avons perdu un objectif. Deux secondes, ça. J'arrive. Tchoum. Merde, il est en face. Il est bien ce BF, est-ce que les bugs du début sont partis? Bah je sais pas, là j'y rejoue pour la première fois depuis Mathusalem. Et pour l'instant ça va. Je sens qu'il y a des problèmes de gameplay qui étaient assez pénibles. Une fois quand tu meurs, prends un viseur. Alors c'est ça que je comprends pas, attends. Qu'est-ce que c'est que c'est... Comment on fait pour échanger? Équiper. Pourquoi il est pas équipé lui? Ah, ça y est. Ah ok d'accord, j'ai compris je crois. Je suis pas sûr que ça m'arrange ça. C'est grave. Bien sûr, hein. Ouais, c'est mieux qu'un viseur. On a perdu? Ouais. On a sous-estimé leur ténacité. Repliez-vous, on a subi assez de pertes. Tu peux faire T quand t'es vivant pour changer aussi. Ah, mais je me souviens que c'était le truc qui était trop mal fait. Ça, j'ai le souvenir de ce truc-là. C'est méga mal fait pour assigner des équipements et tout. Très bien. Bon, on va faire une ruée à l'ancienne. Donc ça c'était là, percé. C'est pas mal. Mais on va faire la ruée. Jean Massier, meilleure élimination au fusil d'assaut. Bah, qu'est-ce que je vous dise. Je suis meilleur. Revenir au menu. Non mais c'est chiant, il y a tout le truc. Récompense débloquée. J'ai la ghillie suit MDR. Est-ce qu'on peut l'équiper direct? Ah ouais, on peut l'équiper, c'est marrant. Combustible fossile. Vas-y. Et ça c'est quoi? Oh. C'est quoi? Ah c'est un skin. Oh non, on s'en bat les couilles des skins. Allez, on y va. Allez, ruée, on fait une ruée à l'ancienne. Qu'est-ce que tu fais de beau à cette heure-ci? Bah je joue au jeu vidéo. Je tue des gens, je libère le monde de la tyrannie pour installer la démocratie. Ça donne quoi le snipe sur ce jeu? Bon, on essaiera tout à l'heure.
Ah tiens, d'ailleurs, cette map, elle est plutôt pas mal pour les snipes de mémoire. Snipe. C'est où les snipes? Je comprends rien. C'est pas là que je choisis mon... Ah oui, non, c'est ça, c'était la nouveauté de ce jeu. T'as les classes et les équipements, c'est pas pareil. Ah, c'est vrai, ils ont séparé les deux. Alors, c'est ça, c'était sur l'arme qu'il fallait cliquer. Là, j'ai fait que changer les habiletés, c'est ça. Alors, on va aller sur Alpha. Des spécialistes comme dans les BR type Apex, c'est ça, tes armes en dépendent pas. Avant dans les BF, les armes dépendaient de ton type de spécialiste qui permettrait un équilibrage du jeu. Mais ils ont décidé de le changer pour ce jeu là, parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre. Moi j'ai pas d'opinion sur le sujet. J'en ai comme qui dirait rien à foutre. Aïe. On va avoir rusher hein. Aïe. Quoi. Il y en a un derrière, c'est ça? Ah, il y en a un qui est couché là. Ah, il est mort. Il s'est fait éclater à la hache. C'est quoi ton BF de cœur? Oh, c'est dur à dire. Vas-y, soigne-moi toi. J'ai un excellent souvenir de Battlefield Bad Company 2, mais c'est parce que c'était il y a longtemps. Donc là, on est en train de contrôler le secteur, non? Non ou pas encore? Ça y est pas un mec là? Voilà, c'est ça, il a posé une charge et donc là eux ils doivent diffuse. Ouais, c'est ça, ça y est, je me souviens. Ok, d'accord. Bravo, c'est où? C'est là-bas. C'était sûr. Est-ce qu'il y a un médecin qui va venir me sauver? Non, je pense pas. BF3, j'ai un excellent souvenir de BF3. Je sais pas si j'aimais bien le jeu ou j'aimais bien la hype autour du jeu. Mais j'ai un bon souvenir de BF3. Attends, il y a un mec ici. Et une grenade lancée. Voilà. Ça c'est de la grue. Secteur capturé. Donc là c'est bon, on a les deux secteurs et donc on progresse. Ouais, c'est ça, c'est une demi-ruée quoi. Les deux objectifs sont détruits. À l'ancienne. Le secteur est sous contrôle. Poète. Je sais pas s'il y a encore du gens qui jouent à Bad Company 2. Venez pas me poigner. J'ai un petit record legit sur BF3 avec une tête à 1100 mètres. Un régal quoi. Trop bien. Quelqu'un me soigne ou pas? Merci meuf. Je t'ai sauvé. Heureusement que je suis là. Hein. Je viens de faire 2 kills. Ouais, je vais rester là, je crois qu'on est bien ici hein. Tu vas essayer ton gadget, ça a l'air d'être un drone. Personne s'en approcher. C'est une situation depuis tout à l'heure, c'est parce qu'en fait j'ai la manette qui est gay. Attention, je balance une grenade.
Non. Il est là. Ça y est, c'est fini, on les a battus. Beau travail. Et c'est la victoire. Je confonds Battlefield avec un autre jeu avec des mutants qui ressemblent aux humains, c'est quoi le nom du jeu? Ça me dit rien. Fallout. Jean Massier, élimination. Voilà. J'ai fait le plus grand nombre d'éliminations. Progression, passe combat. Alors qu'est-ce qu'on gagne? Des skins, c'est ça? J'arrive pas à dormir, tu peux m'expliquer ce que c'est le 49.3 dans Battlefield? Va sur ma chaîne YouTube, elle peut t'aider à dormir. Allez, on continue, Rué. Petit gun game, c'est quoi le gun game? Sablier, ça c'est la map c'est la map où il y a la tempête là, c'est ça? Ouais, c'est ça, et là on doit tourner à gauche, ouais, ok, d'accord. Allez, zou, on y va. Wow. Hop, ça déjà c'est fait. Salut toi. Il est mort ou pas? Et là j'ai plus de lune et c'est... voilà, c'est rouge. Ah d'accord, c'est à nous d'empêcher les explosifs, d'accord. Ok. Du coup, il faut diffuse leur merde. Alors on va s'occuper des chars. Merde, c'était un ennemi. Ah putain. Le game, c'est un mode de jeu où t'as une meilleure arme à chaque fois que tu fais un kill. Ah mais ils ont piqué ça à Call of Duty, non? Ouais, Gun Game. Ah ouais, très très bon souvenir de... Comment s'appelait ce jeu? Call of Duty. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis censé aller par où, je ne prends rien. Moderne, on va faire deux. Non, le Gun Game, c'est arrivé dans Black Ops. Black Ops 1. Je me souviens bien. Allez, faut protéger les objectifs. Vous devez les arrêter. Alors, est-ce que quelqu'un peut essayer de marquer? Donc là, on est en mission, pour ceux qui veulent jouer RP, on est en mission pour sécuriser la Coupe du Monde de football. On doit aider nos alliés. Merde, j'ai mal visé. Je suis là. Voilà.
Attends, je dois gérer le char. Putain, il veut pas être détruit, ça me saoule. Bon, c'est un peu chiant rué comme mode de jeu, non? Enfin, quand on gagne, c'est sympa. Mais là, je... Allez, on va défendre Bravo. Les troupes ennemies ont détruit l'objectif Alpha. Allez, on détruit Bravo. C'est notre honneur. Oh putain, mais ils sont partout. Les forces ennemies ont posé des charges. Ça va exploser. Fuck. Finissons ce jeu. Voilà. L'ennemi a gagné cette fois. On rentre à la base. C'est vachement dur à détruire les tanks. Hein. Bon, on va essayer le gun game. En fait, ça c'est juste ma squad, ça. C'est pas d'accord. Seul moyen de péter un tank, c'est le C5. Le lance-roquette, c'est trop long. Ouais. Squid Chaos? Avec encore plus de joueurs et d'autres modifications, accrochez-vous. Tiens, faudrait que j'essaye. Hazard Zone, un mode de raid où vous devez travailler en petits groupes pour récupérer des lecteurs de données. Ah, je me souviens, ça c'est de la merde. Maître d'armes en équipe. Campagne sur celui-là. Je sais plus. T'as raison, faut que je vois ça. Ça se trouve, il y a un mode campagne, ouais. Dans BF3, ça pouvait vite partir le tank. Ouais. Ça faisait des dégâts aussi, mais ouais. Alors, let's go. Chargé, couvrez-moi. Et alors? Ah non, c'est des assistances, c'est pas des kills. J'étais en train de me dire, mais pourquoi je suis pas en train de changer d'arme là? Toutoum, 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 toutoum. Qui s'ouvre sans s'ouvrir. Putain. Attends, j'ai cru voir des mecs là-bas. Ah.
Mais... c'est pas juste. On en a combien? On est en train de se faire fumer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la fin du jeu, d'accord. Ah donc il n'y a pas de campagne dans ce jeu-là? Ok. Dark Messier 92. Poète. Et vous avez regardé le GP Explorer cet après-midi? C'était trop de la balle. C'était hyper bien. Hyper impressionnant. Moi je regarde les Worlds de LOL en réalité. Ah ouais, c'est en ce moment. Wow. Ça pique. L'ennemi va essayer de nous faire reculer et de détruire nos objectifs dans chaque secteur. Ne les laissez pas faire. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Trop bien le GP. Bon suivi avec Twitch plus les stories de Whitney, ouais grave. Pourquoi il y a des mecs derrière? Impressionnant la réparation de la voiture en 4 heures, ouais grave. Grave. Non, moi j'ai vraiment trouvé ça très très cool, hein. La prod était top, l'ambiance était top, pas du tout mon truc les bagnoles, mais là ça rendait trop bien. Peut-être par le fait que aussi que j'aime bien certains des gens qui étaient dans les voitures, donc ça aide évidemment. Mais je sais pas, l'ambiance était feu. C'est pas non plus un truc de connaisseur, donc c'était cool. C'était cool à regarder quand il connaît rien. Je comprends rien. Je comprends pas cette map. Je comprends pas. Ça arrive du ciel aussi, c'est pour ça. Regarde l'autre là. Il est passé où? Il est monté d'un coup, comment il a fait? C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Oh merde. Et oui, non mais voilà, les mecs ils arrivent du ciel aussi. C'est pour ça qu'ils sont partout. Donc en fait, un mec peut arriver dessus à n'importe quel moment, de n'importe où, enfin tu vois, voilà, ouais, d'accord. Et les étoiles entre elles. Et puis voilà, reconnaissance et la fierté des spécialistes de F1, c'était beau. Quel spécialiste de F1? Je sais pas, j'y connais rien. Camping là mon gars. Moi je suis avec toi histoire de dire mais c'est vraiment de la merde hein.
maison. Il est avec nous ou pas? Je dois recharger, couvrez-moi. Mais c'est une ruée ou c'est un... On a perdu quelqu'un. F1 égale Formule 1. Ça j'avais compris, je te remercie. N'hésite pas à m'aider hein. Non, je sais pas, je connais pas de spécialiste de F1, donc je sais pas s'il y a eu de la reconnaissance ou pas, mais je te prends sur parole. Formule 1, je dors jamais à l'hôtel. Jean Fébro, le commentateur des Grands Prix de Formule 1 sur Canal+. D'accord, et bah GG à lui. Charles Leclerc qui regardait du Japon. Ah ouais? C'est cool. Non mais voilà, en vrai c'était très cool. Bravo à Squeezie, bravo à la prog, bravo toute live qui a quand même beaucoup aidé à ce que ça soit agréable à suivre du coup. C'est pas juste une course un samedi, hein, c'était des semaines et des semaines et des semaines de vidéos YouTube. Toutes plus cool les unes que les autres. Je vous ai regardé. Sur les entraînements et tout, donc c'était trop bien. Pourquoi c'est lui qui réussit à me tuer alors que... Charles Leclerc qui demandait à avoir un replay du tour de Clic de Despiélo. Despiélo, elle est trop bien sa chaîne Twitch, hein. Sa chaîne YouTube, pardon, moi je la regarde depuis longtemps. Sur Twitch pas trop, mais sa chaîne YouTube... Alors, vraiment j'y connais rien et je m'en fous à la Formule 1. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup Despiélo, j'aime beaucoup Villebrequin. Xari c'était trop marrant. J'étais à fond pour Dejna, le courage de Dejna, putain. Ça vient d'où ça vient. Ah, je déteste quand je sais pas d'où ça vient, ça m'énerve. En haut des containers. Je vais essayer de retourner à ma planque de tout à l'heure, c'était bien. Ce camion. Tellement content pour Sylvain et triste pour Pierre qui a un très bon niveau aussi. Ouais. Dejna, ça va être compliqué de vouloir faire de ton mieux en sachant qu'il y a un minimum de maboules qui vont arriver dans le rétro. Ouais, j'avoue. T'as Despiélo et Sylvain qui débarquent derrière toi. À 200 km/h. Excusez-moi, je vais pas vous déranger. Tourne là. Voilà. Ça c'est la planque, ça c'est la planque. Les troupes ennemies se dispersent. Bon boulot, on a gagné. C'est la victoire, évidemment. Le tout grâce à moi. Merci à tous. Non, c'est pas mal. C'était une ruée, c'était pas un gun game. Bordel un peu la map. Bah ouais. Mais bon, c'est du CQB comme on dit. C'est fait pour. Bon, moi j'ai fait que 4 kills. Hein. Que 4 kills. Je vous offre pas le meilleur contenu. Hein.
Pourquoi tout le monde est gentil avec Dejna? Parce que c'est une fille exceptionnelle? Parce que je sais pas, on est d'un naturel sympa? On a pas beaucoup... Non, je sais pas. Quand tu connais pas la map, c'est dur, ouais. Let's go tenter le gun game. Bah j'ai tenté le gun game tout à l'heure. C'est quoi ça comme fusil? Équipé. Allez, let's go. Regarde, gun game. Pas super good vibe d'être méchant, quoi. Je sais pas. On a le choix, dans le doute. Enfin bon, après, chacun choisit son... Voilà. Mais bon. Nous, on est... Enfin, voilà. Si j'ai le choix entre les gentils et les méchants, je choisis les gentils, je sais pas pourquoi. bon, alors cette histoire de gun game là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc je recommence la caméra que tout à l'heure. Donc là, je suis changé, ouais c'est ça. Je suis censé changer de flingue à chaque kill, c'est ça? On va essayer de faire un kill alors pour voir. Voilà, donc là j'ai fait un kill. Et alors? J'ai un autre flingue? Non. Une fois que je meurs, c'est ça? Ah si, c'est bon, je viens d'avoir un autre flingue. Ok, ok. En haut à droite, kill to next level. Ok, ok, d'accord. J'ai compris. Savoir d'où ça vient. La spatialisation du son est pas incroyable, enfin je veux dire, enfin voilà quoi. Attends. T'as pas vu toi? Il est où? Merde, ça sert à rien de monter, c'est pour redescendre aussi vite. Reach the max level, kill the next level 1. Ok, d'accord, j'ai compris. Putain, le chargeur il est pas grand hein. Aïe, aïe, aïe. Meurs pas.
trop loin, ils sont trop loin, ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Merci Joe. D'affilée. On va essayer de se guérir un petit peu. Merde. 2 ans, merci Tagno. Allez là-bas. Cette arme là je la connais. Aïe 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 aïe. Je sais même pas où je tire. On se cache. Mais. Merci Fratello pour ton resub. Danger ici, à 130 degrés, à environ 50 mètres de ma position. Ça c'est du machine gun avec énormément de recul mais énormément de munitions. De munitions. J'adore. Le couteau ça enlève pas un kill. Ah oui tiens, c'est une bonne question ça. Alors attention, on va arroser. Oh, tu meurs toi, voilà. Ah non, ah non. Ah non, me dis pas que c'est un fusil à pompe. On pose le cerveau en appui. non mais j'aime bien le gun game, c'est cool en vrai. Putain, c'est un fusil à pompe, je déteste ça. Et... ah. Ratatata poué. Bon allez, du corps à corps là, un vieux fusil à pompe, qu'est-ce que je fais là? On est coincé? Bon bah c'est cool le gun game. Je valide. Progression passe de combat, mais le passe de combat je comprends pas, c'est le truc saisonnier là? On s'en fout. Raconte-nous pourquoi tu as insomnie. Ah non non mais j'insomnie parce que j'ai encore fait une sieste tard dans l'après-midi. Parce qu'on est sorti jeudi soir pour la soirée des 400 000 abonnés de Simon Puech. On a fait la teuf jusqu'à tard le soir. Enfin tôt le matin. Ça s'est fini en croissant, jus d'orange, café à la gare de Lyon. Et après dodo tout le vendredi. Et dodo tout le samedi. On s'est croisé du coup. On s'est croisé, Varel ? Je passe Gare de Lyon tous les matins. Ah ! Oui. C'est un gun game ça du coup ou pas ? Non, j'ai pas l'impression. L'ennemi secteur par secteur et détruisez les objectifs. Alors toi, c'est bon. Toi dès que t'appuies contre-mesure, je te fume. Je te fume. Merde, il faut qu'il soit marqué. Est-ce que quelqu'un peut le marquer s'il vous plaît? Ça m'arrangerait. Il est plus marqué, merde. Si c'est bon. Ah non. Les charges sont prêtes. Protégez-les jusqu'à ce qu'elles explosent. Thank you.
L'ennemi a désamorcé nos explosifs. Il est mort. Alors, on continue. Non mais je la connais cette map, c'est une map de BF3 non ? Non ? Ce serait pas une map de BF3 par hasard ? Aïe. Demi-tour, vous quittez le combat. Je la connais cette map. Il est avec nous ? Ah oui merde, il est avec nous. Excuse-moi Michel. Te formalise pas. Bah. Assurez-vous qu'elles explosent. L'ennemi a désamorcé nos charges. Mais oui, c'est Bad Company 2. C'est une map de Bad Company 2, on est bien d'accord. Conquest dessus, mais oui, je m'en souviens. Personne pour me raise, c'est pas grave. Oui, je me souviens, on se planquait là-haut pour sniper comme des connards. Pardon, j'ai peur, j'ai vu du rouge, j'ai cru que c'était un ennemi. Pourquoi je suis sur le toit moi ? Descends. Ça m'arrangerait, je t'avoue. Est-ce qu'on peut réparer d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît ? Non ? Objectif Alpha, destruction confirmée. Voilà, on répare. On répare et on y retourne. Les charges sont prêtes. Protégez-les jusqu'à ce qu'elles explosent. Tranquille. Vous avez quitté la zone de courant. On a besoin de vous. Tu peux retourner dans la zone, s'il te plaît ? Merci, t'es sympa. Merde ! Vous êtes trop loin, revenez au combat. Les deux objectifs sont détruits. Le secteur est sous contrôle. Non, putain, j'ai voulu y aller en sneaky. Oh, son chien. Je suis dans la merde. Je vais pas y arriver en 4 secondes là. Si ? Non. Ça va, je tente. Allez, on y retourne. Personne pour me raise. Ça m'étonne pas. C'est pas grave, on réessaye. Non, on réessaye pas. On va spawner normalement et on va y aller à pied.
Ah, il m'a fait peur lui. Charge posée. Assurez-vous qu'elles explosent. Change d'arme peut-être. Je pense que tu as raison. On essaye un anti-snipe. Voilà. Ça on aime bien. Merde. L'ennemi a désamorcé nos explosifs. Je vais monter sur le toit comme on fait. C'est pas grave. Oh, j'ai pris une balle. Quelqu'un me raise ? Personne ? C'est dangereux ! Ne vous approchez pas ! C'est moi ou c'est un peu le Delbor ? T'as même pas le temps de comprendre avant de te faire buter. En fait, ça dépend comment tu joues là. Je joue un peu n'importe comment. Ne laissez personne s'en approcher. Si tu te calmes un petit peu, que tu regardes un petit peu qui t'entoure, tu sais où t'es sur la map, tu fais attention où tu spawns, tu regardes, c'est un peu prudent. Tu vois où sont les mecs en face, tu te prends quand même une balle. Plein de force à toi, merci Cyrus. Merci Cyrus. Nos alliés ont détruit l'objectif Bravo. Quelqu'un peut le marquer s'il vous plaît. Bon donc apparemment il y a un sniper qui planque là-bas parce que c'est pas la première fois que je me prends une balle venue de nulle part. Cet hélico. Personne. Faites chier. Cassez les couilles. Ah ! Pas réussi. L'ennemi a désamorcé nos explosifs. Charge posée. Assurez-vous qu'elles explosent. Faut essayer de les aider. Rechargement ! Oh mais c'est pas vrai ! On tente un screenshot. Raté. Destruction des deux objectifs confirmée. On tient le secteur. Là non, voilà, là, c'est bon. Camarade touché ici. Ok. On continue, on progresse. Je crois que je t'ai pas eu toi.
comprends pas. Je peux pas t'aider, Maxi, si je peux. Attends, je vais t'aider. Merde, raté. Les gens que t'assoient, même si t'es pas devinique. Bah, je viens de le comprendre, ouais. Je viens de le comprendre. C'est quoi ton mode de jeu ? Professionnel. Shot, vous l'avez vu? Ah oh, putain! J'ai marqué 1 milliard de points. Bon, les couilles. S'il y en a un qui essaie de défier, je le bute. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce jeu jusque-là ? Ça va, c'est nerveux. Alors après on aime ou on aime pas, moi j'avoue, donc c'est plus cool. Non, moi j'aime bien. En vrai ça va. Il est plus beau que les autres FPS. C'est vrai qu'il est beau. Ce qui a ses inconvénients, c'est que du coup c'est difficilement lisible parfois. Charge posée. Assurez-vous qu'elles explosent. Plus bordélique que les autres, ouais, c'est vrai. C'est plus bordélique, même si ça, je dois bien admettre que ça dépend aussi du temps de jeu que t'as, parce qu'il y a un moment où tu commences à... Merde. Juste une seconde. Tu commences à bien connaître la map, tu commences à bien connaître les rythmes de jeu et tout, donc c'est moins bordélique. Sur une map trop petite, on bourrine plutôt que de strat. Là, c'est parce qu'on est dans un mode de jeu effectivement où c'est le dawa. Mais c'est pas automatique. C'est bon, avancez vers le secteur suivant. Déstabilisé.
attends. Il est où? Il est là. Putain, mais... Attendez, recharge. Je suis pas fou aussi. Ouais. Même en conquête 64-64 c'est nawak. Ah oui non mais 64-64 c'est fait pour ça. Charge, dépêche-toi. Il meurt jamais cet enfoiré. Explosif armé. Ne laissez personne s'en approcher. Il y a des mains beaucoup trop grandes, donc trop chiant pour l'infanterie. Ouais, c'est vrai. Je me souviens. Ça fait partie des critiques. Trop vide, courir pendant 2 minutes sans aucun couvert pour te planquer, te faire tirer comme un lapin par des snipers, oui c'est vrai. Bon, de toute façon là moi j'ai rien à faire ici, j'ai rien à faire aussi près du combat. Ah, c'est bon, on a gagné. Excellent travail, on a gagné. On dit GG aux gens, c'est important. BF3 ça reste le best en termes de map. Ouais, enfin ça dépend des maps encore une fois. Il y avait les extensions Close Quarter de BF4. Ouais, je m'en souviens. Merci JDEV pour les 289 viewers. Bonjour les gens qui raident. Je m'appelle Jean Massier, je suis à une insomnie. Du coup je rejoue à un jeu auquel j'ai pas joué depuis 1000 ans. Ça s'appelle Battlefield. Ça fait piou piou pan pan. C'est les gentils contre les méchants. Donc les Russes contre les Américains contre les Russes, vous aurez bien compris. Puis voilà quoi. C'est un peu le programme. J'espère que vous avez kiffé votre stream avec JD. Des bisous JD, merci pour le raid. Prêt. Prêt, ouais, ta gueule. Bon, on réessaye le Gunmaster là, c'est marrant. À chaque fois que je fais un kill, je change d'arme. C'est rigolo. Et quelle heure? Il est 3h du mat? Ouais, tranquille. Un bonjour de la part de J2. Ouais. Le Gunmaster, c'est reposant. Ouais, vas-y. On va voir si on arrive à trouver une partie. Ouais, c'est bon. Je suis en insomnie aussi. Mais oui, mais c'est bien les insomnies. Tranquille. Posé dans son lit, on regarde des streams, tranquille. Pas besoin d'être dans le chat. Eh, yo, je commence à bailler, moi. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, hop. Je me prends des tirs. C'est quoi le truc rouge là que je vois en bas de... Bon, alors ils sont où les méchants ?
attends, putain, il m'a vu. C'est rare de te voir à cette heure. Écoute, je vais pas te dire de conneries, je pense que j'ai jamais scrivé à cette heure-là. Alors que la dernière fois, ça devait être il y a 4 ou 5 ans. Bah alors les gars. Bah alors les gars. Bah non mais concentrez-vous, faut que je vous dise. J'entends, je l'entends. Je l'avais entendu. Dans le The Event, oui, mais ça compte pas. Rouge, c'est le passif de ton perso, il s'active quand tu sens des bruits d'un pas d'un... Ah, d'accord. Ah, c'est un peu de la merde. Pourquoi je pop ici, moi? L'enculé. Donc il me force à popper ici, c'est intéressant. Non, je retourne dans le bâtiment parce que de toute façon... Ah mais il y a deux bâtiments en fait, d'accord, ça j'ai compris. Tesla, ça. Pardon. Je l'entends et... Il est là. Oh, putain. Oh, tu m'as saoulé, toi. Putain. Ils sont les méchants. Cible neutralisée. Bah alors, bah alors, mon poulet. Fatigué. C'est mieux comme partie, c'est un peu plus calme. Qu'est-ce qui tire là? Je comprends pas. Aïe. Aïe. Ah, ma petite sœur est bourrée visiblement. Ah merde. Ennemi touché. Aucun mouvement. Allez, la sulfateuse. Merci pour le resub. Oula merde. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il fait, Michel? Pourquoi il part en dehors de la map?
t'ai vu toi. Je t'ai vu et je vais venir te chercher par la peau du cul. Ouais, tu m'as entendu. Merde. C'est EA Play Pro, si on peut pas acheter le jeu ou EA Play normal suffit, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. J'en sais rien. Je l'ai acheté sur Origin. Je peux l'acheter, je sais pas. Il est là. Mais reviens toi. Monte ta tête, fils de chien. Oh. J'ai consulté le site de gauche ou de droite juste pour savoir si League of Legends c'est de gauche ou de droite. Le site m'a répondu que c'était de droite. Saurais-tu m'expliquer ? Je sais rien. C'est pas moi qui fais ce site, je sais pas quel est l'algorithme, mais je m'en fous. Putain, mais je peux rien faire avec cette arme là. J'ai l'impression qu'on a des joueurs AFK. Ah oui, c'est vrai, elle est horrible cette arme. Je vais rien pouvoir en faire. Lui il est AFK, on est d'accord. Lui là. Merci. Ça bien faire. Le headshot. Je crois qu'on avait la même arme. Vous êtes nombreux à cette heure-ci, ça fait plaisir. Désolé, hein, j'essaye de faire quelque chose avec ce jeu. Mais en vrai, ça dépend des games. Ah, c'est là-haut. Non mais il est chiant, lui, il se planque depuis tout à l'heure. Toujours au même endroit. Là, 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 au sommet de cette tour, là, il y a toujours un mec. Toujours le même. Ouais, il est là. Voilà. Et on peut rien y faire. On est acculé, on peut rien faire. Du coup, je vais essayer de monter, le chercher. Mais je garantis rien parce que j'ai une arme de merde. Il est là, donc de toute façon, il va m'empêcher de monter. Non, effectivement, on est dans la merde. Hein. Alors, bouge pas, je viens te chercher, toi. Lui, il me saoule. Lui, il veut pas jouer, lui, ça m'énerve. Ta mère. Nique ta mère. Juste une seconde.
Reviens. Oh, putain, enfin. Merde, il était là-haut. Allez, on change d'arme. On fume le mec là-haut, mais de toute façon on peut pas gagner, hein. Je suis désolé, il y a des mecs dans mon équipe qui veulent juste pas jouer. C'est pas grave. Allez, on arrête d'orager. Et on passe à un bon moment. Hop. Merde, il a réussi à me cut. Alors. Est-ce qu'on va enfin pouvoir fumer ce connard ? Qui est là-haut là ? J'arrive pas à le buter, qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pas fou? Visiblement, je suis fou. On a perdu quelqu'un. Je peux trouver un autre lobby direct. Non, tranquille. Je m'en fous un peu là de gagner ou perdre. J'essaye surtout de. Charge, couvrez-moi. Au pire, laisse-le camper, le gunman, c'est du solo. Ah non, c'est par équipe malheureusement. On essaye de se faire une ruée, un truc comme ça. Prêt. On se fait une ruée en mode... En mode sniper. Est-ce qu'on peut join ? Non. C'est super de parler un peu avec toi à la soirée des 400K. Salut Jojo Kill. Bah ouais, c'était cool. C'était bien cette soirée des 400K. C'est pas que t'aimais BF, t'y joues souvent. J'y ai beaucoup joué par le passé. Et non, j'y joue pas très souvent, mais j'aime beaucoup, ouais. Ah, j'ai pas la bonne arme par contre. Voilà. Nous devons attaquer chaque secteur, détruire les objectifs, repérer les ennemis. Voilà. Vous avez quitté la zone de combat, on a besoin de vous ici. Mais quoi? Pourquoi je peux pas avancer? Sécurisé, passez au secteur suivant. Voilà, merci. Ça va foutre non plus. Alors, on va prendre un petit sniper. Il va se mettre bien loin. C'est toi le vrai French Monster.
Et on va donner des infos. Alors, type assaut, type sniper, arme principale. Je sais pas comment il s'appelle, arme secondaire, on s'en fout. Gadget. Missile. Ouais. Déployé. Alors, où est-ce qu'on va se mettre ? Laisse-moi réfléchir. Il faudrait que je puisse monter. Ah non, ça, on peut pas encore entrer dans le bateau. Hein. Pour l'instant, à part galérer, je peux rien faire. On peut pas monter, on est d'accord, on a pas de pas de corde, il faudra un grappin. Là-bas, de toute façon, je peux pas y aller. Et par là, dans les coursives. L'Europe est en 4-1, l'US en 0-5, ça fait du bien de voir qu'il y a des choses qui ne changent pas. Merci. Ah merde, non, il me réanime. Merci mec. Les charges sont prêtes. Protégez-les jusqu'à ce qu'elles explosent. Toujours pas la bonne arme. Attendez. En fait, ça me saoule. Le sniper, c'est rigolo, mais en fait, pas là. Donc, on va se reprendre. Nos alliés ont détruit l'objectif, bravo. Ça. Et on y va. Que je cherchais à faire une blague sur un cargo coincé sur le canal de Suez sans trouver, je suis frustré. Ah désolé, je sais ce que c'est. Putain, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ah non, vas-y, reste. Merci frérot. Ils sont chauds en face. Ouais, en face ils sont un peu chauds. Alors attends. Attends, parce que là en fait on fait n'importe quoi. Règle numéro 1 dans BF. Quand t'es coincé, pas compliqué, tu fais le tour. Donc là on va aller chercher directement en passant par là où il y avait B tout à l'heure. Ah merde, il est mort. Explosif armé. Ne laissez personne s'en approcher. On va faire le grand tour. Toujours comme ça qu'on débloque les situations. Allié blessé. Allié touché. On a une victime. L'ennemi a désamorcé nos explosifs. Il désamorce, d'accord, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on rentre dans le bateau. Charge posée, assurez-vous qu'elles explosent. C'est pas grave. Les forces alliées ont perdu 50% de leur effectif. Alors, commence la technique. Merde, il est mort ce con. Donc là, je vais crever moi aussi. Attention, vous êtes prêts. Je suis mort.
Laissez-moi. Allez, on refait le tour. Les charges sont prêtes. Protégez-les jusqu'à ce qu'elles explosent. Oh merde. Sans batterie. Retournez au combat. Non, pardon. Ils font comme moi. L'ennemi a désamorcé nos explosifs. Ah, on pose une bombe. Ne laissez personne s'en approcher. Une seconde. Merde, j'étais en train de charger. Attends, si c'est mon explosif qui pète, je suis fier de moi. Et voilà, c'est le mien qui... Et voilà. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on gagne au jeu vidéo. Destruction des deux objectifs confirmés. On tient le secteur. Allez, on continue. Secteur sécurisé. Pas de temps à perdre, on bouge. Charge posée. Assurez-vous qu'elle explose. Comme quoi c'était pas difficile à décoincer la situation, il suffisait de faire exploser le cargo. Bien vu. Que je passe par derrière pour exploser l'objectif. Merde. Tu penses quoi de la géopolitique vue par le prisme de la série Battlefield? Je m'en bats les couilles. Pour faire simple. Allez, on essaie, on tente le coup du rush. Ça marche jamais. Ouais, ouais non, ça marche jamais. Toutoum toum toutoum toum. Toutoum toum 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 toum.
Merde. Appuie sur X pour récupérer le lance-grenade si jamais. Ah. C'est vrai que je le fais jamais. Celui qui est sous mon... Oui, c'est ça. D'accord. Explosif armé. Ne laissez personne s'en approcher. Un instant. Bon allez, on va gagner là quand même, à un moment donné. C'est random tir de grenade. Bah ouais. Personne pour me reste, non, on s'en branle. Ok. Si tu veux un tour rapide de tous les raccourcis, n'hésite pas. Bah écoute, si tu vois que j'en utilise pas alors que je pourrais, n'hésite pas à me les dire, ça je trouve c'est parce que je les connais pas. N'hésite au point. Ah non, mais j'étais en train de... Merci. Par exemple, il va prendre. Couvrez-moi, je recharge. Je suis vraiment un connard. Non, en vrai, c'est bien fait pour moi. Ça a bien fait les amorçages là. Non. Alors pareil, on va faire le tour, comme tout à l'heure. Voilà, on passe derrière tranquillement. Là, lui, des regards. Lui, on l'a vu. Lui, il est avec nous. Oui, il était avec nous. Fuck. S'il utilise son viseur, je pense qu'il décède. Mais non, mais je l'utilise tout le temps, mon viseur. Qu'est-ce que vous racontez encore? Qu'est-ce que c'est que cette diffamation? Alien touché! Je prends des tirs! Là, il n'y a pas besoin d'utiliser. On gagne un moment. Bon, je refais le tour, hein, comme tout à l'heure. Vous allez dans le bon sens. Oui, oh, ça va. Explosif armé. Ne laissez personne s'en approcher.
tire des grenades random hein, au pire au cas où ils sont en train de les amorcer. Les forces ennemies battent en retraite. Excellent travail. C'est la victoire. On a gagné. C'est la victoire. Tu me fais bailler à bailler, je vais me mettre au lit, parfait pour un stream de l'insomnie. Pardon. Puisqu'on en parle. Puisqu'on en parle, je vais m'arrêter là, moi, les copains. Hein. C'était bien. C'était bien. Où est-ce que je vous envoie ? Est-ce que ça partirait pas en raid ? Non, il y a ça de perdre intéressant, là. Oh, il y a moment. Ouais, vas-y, moment. Moment qui est en train de jouer Overwatch 2, voilà, mettez-vous bien avec Moment, hein. Je vous fais des bisous, merci d'avoir été là, c'était cool, je vous dis à plus, bonne nuit pour ceux qui vont dormir et bon travail pour ceux qui bossent, ciao, bye bye, amusez-vous bien avec Moment.